necesaria para nuestros corazones, Padre Santo. Señor, te pido, Padre Santo, que todo se haga según tu voluntad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. A Dios a tu temor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. On va essayer de se faire du bien avec la parole de Dieu. Et moi, en ce moment, je suis fatigué, mais je ressemble. Et avant, il y avait les 403 diesel. Et pour la mettre en marche, il fallait bien la chauffer. Une fois que tu es en marche, après, il n'y avait pas de problème. Ça marchait très bien. Donc, il faut le temps juste pour réchauffer. Donc, on va essayer de se faire du bien avec la parole de Dieu. Je voulais prêcher une chose et. C'est pas que Dieu a changé le message, c'est moi qui me suis trompé. C'est bien défendu, Dieu m'a changé le message. Non, Dieu n'a pas changé. C'est moi qui voulais prêcher autre chose. Mais c'était plus de l'enseignement que de la pratique. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est pour un culte, il faudrait autre chose. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Et ça fait pas longtemps, c'est un message que j'ai déjà prêché il y a pas longtemps. Et le message, c'est il faut avancer. Amen. C'est simple. Amen. Il faut avancer. Amen. Parce qu'on a besoin d'avancer. Amen. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. On entend tellement de mauvaises nouvelles qu'on s'est habitué. Et quand on entend une bonne nouvelle, on est presque étonné. Donc on a besoin d'être encouragé pour avancer. Amen. Adieu sur toute la gloire. Vous savez, juste pour nous introduire dans le message, après on va lire dans Ézéchiel 47, premier verset. Ézéchiel 47, premier verset. Mais avant ça, rappelez-vous dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean est ravi en esprit. Et la Bible dit comme ceci, qu'il entend la première des choses, une voix comme le son d'une trompette, mais derrière lui. Ensuite, il va se tourner. Il va voir Jésus au milieu de 7 chandeliers d'or. Après voir la gloire de Jésus, il tombe à ses pieds et Jésus va le toucher. Amen. Il entend la voix, il voit Jésus et il reçoit le toucher de Jésus. Amen. Maintenant, écoutez bien. Nous, on n'a jamais entendu la voix de Jésus. On entend la voix de Dieu à travers les cordes vocales de l'homme ou d'une femme quand elle prophétise. Sinon, Amen. Mais un jour viendra avec la grâce de Dieu. Amen. Au son de la trompette de Dieu, on montera au ciel et on entendra la voix de Dieu directement. Amen. Dieu n'aura pas besoin d'utiliser un serviteur, un prophète, un apôtre, une prophétie. Il nous parlera directement, on entendra la voix directement de Jésus. On n'a jamais vu Jésus. Si ou non, on a vu la gloire, la manifestation de Dieu. On est d'accord, mais Jésus en personne, on ne l'a jamais vu. Un jour viendra, comme l'apôtre Jean, on le verra au milieu de 7 chandeliers d'or. On le verra, vous savez pourquoi on le verra? Parce que la scène de l'Apocalypse, chapitre 4, chapitre 5, écoutez bien, ça ne s'est pas encore réalisé. Jean a vu ce qui doit se réaliser à l'enlèvement de l'Église. Amen. Et ça, c'est pour nous. Amen. On entendra la voix, on verra Jésus. Amen. Amen. On n'a jamais... Amen. Senti le toucher de Jésus. Par le moyen de la parole, par le moyen de la bénédiction, par le moyen de sa présence, mais un toucher directement, on ne l'a jamais entendu, jamais senti. Dans le ciel, il nous touchera. Parce qu'il est dit, il lucira, il va essuyer nos larmes. Donc il va nous toucher. On va entendre la voix, on va le voir et on va être touché par lui. Amen. Mais en attendant, que faut-il faire? Il faut avancer. Amen. Il faut avancer. Si on veut entendre sa voix, si on veut le voir, si on veut le toucher, qu'il nous touche, eh bien, il faut continuer à avancer. Amen. Et ça vaut la peine d'avancer. Amen. Dieu soit toute la gloire, bendito sea el nombre del Señor. Alors maintenant, on va faire la lecture d'Ézéchiel 47. Et c'est là où l'ange va lui dire à Ézéchiel, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. En Dieu soit toute la gloire. Et voilà ce qu'il est dit. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison, à l'Orient. Car la face
de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Et on prend directement le verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, cet homme, c'est un ange. Il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Écoutez bien ceci, le gardera pour la fin. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Amen. Amen. As-tu vu? Adieu, sorti de la gloire. Bon, s'il le reste, on peut lever les baisses, mais pas deux. J'ai obligé de mettre une veste, deux vestes, une écharpe, parce que j'ai mal au niveau des os et c'est pénible. Voilà. Alors ici, la lecture qu'on vient de faire, c'est encore quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Ce que Ézéchiel voit, c'est une vision prophétique qui doit s'accomplir dans le millénium. Et ça, c'est le temple qui doit être reconstruit. Et l'eau qui va sortir du temple, c'est la bénédiction qui va s'étendre sur toute la terre. Et c'est ce qu'on appelle le règne du Christ sur toute la terre. D'accord? Mais nous, on va essayer de se l'attribuer aujourd'hui d'une façon spirituelle. D'accord? Alors, là, je vais placer Ézéchiel devant un torrent qu'on ne peut pas mesurer. Ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur. Le torrent est immense. Ézéchiel se voit devant l'immensité de Dieu, devant l'immensité de sa grâce, de sa grandeur. Et après, il y a donc l'ange qui est là pour l'aider à traverser. Parce que lui, il est incapable. C'est-à-dire, Dieu nous met devant l'évidence, mais il va nous aider. Amen. Parce qu'on ne peut pas, écoutez bien, même mettre la parole de Dieu en pratique, on est incapable. Vivre l'évangile, on est incapable. Il nous faut quelqu'un qui nous apprenne et qui nous forme. Vous comprenez? Nous, les humains, excusez-moi mille fois, on est poussière de la terre. On ne peut pas avoir une vie de nous-mêmes qui soit agréable à Dieu. C'est impossible, on ne peut pas. Il faut que quelqu'un puisse nous aider, nous former, nous travailler. Amen. Et donc, Ézéchiel avait un ange, mais nous, on n'a pas un ange. Si on a, tant mieux. Mais on a plus, on a le Saint-Esprit. Amen. Quand Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et c'est qu'elle se voit devant l'immensité de Dieu, nous on se voit devant la grâce de Dieu. Amen. Et vis-à-vis de la grâce de Dieu, on se voit incapable, il n'y a pas de capacité. Si quelqu'un se voit capable, excusez-moi mille fois, c'est qu'il n'a rien compris dans l'évangile. La capacité ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Bendito sea el Señor. Quand on a été crucifié avec Jésus, tout est mort. Tout ce qu'on était est mort. Quand on est ressuscité, ce qui a été crucifié n'est pas ressuscité. Ce qui est ressuscité, c'est la vie de Dieu en nous. Et dans la capacité qu'on a aujourd'hui, c'est la capacité qu'on a reçue lorsqu'on est ressuscité, non pas crucifié. On est d'accord? Et quand on est ressuscité, on a reçu la vie de Dieu. Et c'est dans la vie de Dieu qu'il y a la capacité. Donc tout vient de Dieu. Tout dépend de Dieu. T'es un prieur, eh bien c'est la grâce de Dieu. T'es quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, eh bien c'est la grâce de Dieu. T'es quelqu'un qui jeûne souvent, c'est la grâce de Dieu. T'es fidèle, c'est la grâce de Dieu. Tu persévères, c'est la grâce de Dieu. Bendito sea el Señor. Tu connais un peu la Bible, eh bien c'est la grâce de Dieu. Si Dieu dit non, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça sera non. Bendito sea el nombre del Señor. Donc maintenant, il est devant la grâce de Dieu, devant l'immensité de la grandeur de Dieu. Il y a un ange qui va l'aider, et l'ange a un cordeau pour mesurer. Amen. Regardez ce qu'il dit.
Le psaume 31, verset 16, il est dit, ma destinée est entre tes mains. Amen. Amen. La mesure, c'est la mesure de ton avenir. C'est-à-dire que ta destinée est entre tes mains. Et ça sera lui qui va mesurer, qui va tracer le chemin qui te reste à vivre. Bendito sea el Señor. La journée de demain est mesurée par Dieu. La semaine qui va rentrer est mesurée par Dieu. La nouvelle année est mesurée par Dieu. Tout est planifié par Dieu. Et donc cette vie-là, cette mesure, on la vit par la foi. Non par la vue, parce que la journée de demain, on ne la voit pas. L'année 2024, on ne la voit pas. Donc on va la vivre par la foi et on se dit, Seigneur, tu as tracé pour moi. Tu as tracé pour moi, tu as mesuré pour moi. Et l'ange, à chaque fois, il va mesurer. La Bible dit encore, et encore, et encore. Et là, l'ange va le placer devant le Torah, on va dire. Le titre, c'est le Seigneur. Écoutez bien. L'ange va commencer à mesurer. L'ange, écoutez bien, ne dit pas un seul mot. Ézéchiel ne dit pas un seul mot. Et nous, aujourd'hui, on parle beaucoup. C'est vrai ça. Ézéchiel ne s'est pas plaint. Il n'a pas cherché des excuses. Il n'a pas dit c'est trop. 1000 coudées, c'est trop. J'ai pas le temps, je ne peux pas. Je dois faire ci, je dois faire ça. Dieu l'a placé devant le Torah, l'ange a mesuré, Ézéchiel a obéi. Amen. Et combien ça plaît à Dieu une vie chrétienne d'obéissance et de soumission. Amen. Amen. Bénédicte sea el Señor. Qu'est-ce qui donne la valeur à l'obéissance? Quoi? La Bible dit comme ceci. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. D'abord l'humilité, après l'obéissance. C'est l'humilité qui donne la valeur à l'obéissance. Amen. Je prends l'exemple. Je prends le candidat. Pardon. Hein. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est comme ça. Le candidat va obéir au pasteur, à l'ancien. Mais si son obéissance n'est pas accompagnée d'humilité, son obéissance n'a aucune valeur devant Dieu. Vous avez compris ça? On obéit, d'accord, mais notre obéissance doit être accompagnée d'humilité. Et c'est l'humilité qui donnera la valeur à l'obéissance. Bendito sea el nombre del Señor, la Dios, sobre toda la gloria. Ézéchiel a obéi dans la simplicité. Ça dit un seul mot, sans se plaindre, sans chercher des excuses. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, ça fait X temps, on a inventé un langage, et comment on raconte. Et ça, c'est le langage des chrétiens. Les païens n'ont jamais utilisé ce langage. C'est nous les chrétiens. Et comment on raconte. Yo no me, no puedo. Mais pour des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, pour des choses qui font partie de la vie, on a le temps, on peut. C'est vrai ou pas? C'est quand on n'est pas intéressé qu'on dit comment hago. Que Dieu nous aide, bendito sea el Señor, à obéir avec humilité, avec humilité de cœur. Et l'ange va mesurer 1000 coudées, ça représente environ 500 mètres, on va dire. L'ange va mesurer, et c'est la distance que Dieu mesure pour notre vie. Et on va dire ceci. Il est devant le Torah, et ça c'est les premiers temps de la vie chrétienne. Amen. Quand on a commencé la vie chrétienne, Dieu veut nous former, Dieu veut nous apprendre, et Dieu veut nous faire rentrer dans la grâce, dans l'œuvre de Dieu, dans le champ de Dieu, dans le travail de Dieu. Dieu veut qu'on fasse partie de sa vie. Amen. Alors il veut nous faire entrer dans la grâce de Dieu. Amen. Donc on est devant la grâce, on est là. Et l'ange va mesurer. Et Ézéchiel commence à marcher. Alors, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et l'ange va le faire traverser. Il y a une chose que je ne comprends pas. Si l'eau est arrivée au niveau des chevilles, on n'a pas besoin d'être aidé. Parce que lui, c'est l'ange me fit traverser. Donc, c'est qu'il a aidé. Donc, même si c'était facile au début de la vie chrétienne, Dieu nous a aidés. Donc, ça veut dire qu'il nous aide dans les difficultés, mais il nous aide aussi dans la facilité. Amen. Bien dit que c'est le nom de Dieu, c'est toute la gloire. Parce que même dans la facilité, on a tendance même à se plaindre.
Mais va chercher des excuses. Alors Dieu va nous aider. Bénédicte au Seigneur, Seigneur. Et les pas, les premiers pas de la vie chrétienne, Dieu nous a aidés. À Dieu soit toute la gloire. Et il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et avant de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est la marche chrétienne, les premiers pas de la vie chrétienne. Amen. Amen. C'est le témoignage. Amen. Mais c'est la facilité. C'est-à-dire que c'est facile d'avoir un témoignage. C'est facile de marcher. Et au tout début, on le dit aujourd'hui, oh, avant je priais beaucoup. Avant je lisais beaucoup. Avant je me consacrais beaucoup. Parce que c'était facile. Voilà pourquoi on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, tout simplement. Et quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est facile à marcher. Et on le sait, nous, les gitans. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a, on l'a vécu. On l'a expérimenté. Allez, j'y aille. Quand on marchait, on dirait que l'eau avait peur de nous. Et on savait qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. On peut courir, on peut sauter, on peut s'amuser, on peut tourner en rond. Il n'y a pas d'effort à faire. Et les premiers pas de la vie chrétienne, c'était tout facile. Vous comprenez? Mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à ce niveau-là. Amen. Dieu nous a appelés à grandir, à progresser dans la vie chrétienne. Mais il y a une chose. Écoutez bien. Les pieds maintenant ne se voient plus. On a dit, c'est la marche chrétienne, c'est le témoignage, la marche avec Dieu, etc. Le zèle, si vous voulez. Mais les pieds ne se voient pas, mais tout le corps se voit. Et Dieu n'est pas d'accord que le corps puisse voir. Vous avez compris? Amen. Tant que l'homme ou la femme font pied à ce qu'il se dit, c'est lui qui se maintient. Il dépend de lui. Il prend des décisions. Bien des fois, il fait un peu ce qu'il veut. C'est lui qui se maintient. Et Dieu n'est pas d'accord. Et tant qu'il se maintient, c'est par la grâce qu'il le maintient. Tant qu'il se maintient, il ne dépend pas totalement de la grâce, il dépend de lui. Et il peut avoir tendance à faire demi-tour. Parce qu'il dépend de lui. Et Dieu n'est pas d'accord. Que le corps se voit, parce que tant que le corps se voit, on est vu des hommes. Vous avez compris? On est vu des hommes. Je prie, moi. Je passe des nuits avec la Bible. Je témoigne. Je fais ci, je fais ça. Quand quelqu'un parle beaucoup de lui, c'est qu'il est loin de Jésus. C'est si simple que ça. Au plus on est proche de Jésus, moins on parle de nous. Parce qu'on ne se voit pas, on voit lui. Et quand on est loin de lui, on ne voit personne, on ne se voit que nous. Donc on a tendance à parler de nous. Que Dieu nous aide, bénit au Seigneur, le Seigneur de Dieu, sur toute la gloire. Donc Dieu n'est pas d'accord, alors Dieu va insister, Dieu va continuer, et il a lui dit comme ceci. L'ange mesura encore 1000 coudées, encore, et encore, et encore. Et aujourd'hui encore, 2023, bientôt 2024, Dieu ne s'arrête pas de dire encore, encore, et encore. Et c'est ce qu'il a dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin de quoi? De sa vie, et bien il sera sauvé. Il y a des efforts à faire aujourd'hui, plus que jamais. Bendito sea el nombre del Señor. Encore 1000 coudées. Encore Dieu a tracé, Dieu a mesuré la destinée de la vie chrétienne. Quand on était dans le monde, notre destinée n'était pas entre les mains de Dieu. C'est vrai ou pas? Parce qu'on dépendait pas de Dieu, on dépendait de nous, du monde, excusez-moi, du péché. Maintenant, on dépend de Dieu. Amen. Et notre destinée est entre ses mains. Et c'est lui qui va mesurer la destinée de ta vie et de ma vie. Et Dieu sait ce qui va nous arriver. Mais nous, on ne le sait pas. Alors, je prends l'exemple sur moi. Comme ça, personne dit oh. Je sais que, vous le savez, moi, là, c'est le tueur malade. On a une maladie, c'est comme de la dame ou la tille enfermée là. La tata a maladie. Elle habite avec nous, elle dort avec nous, elle regarde la télé avec nous, elle prend la voiture avec nous, elle fait les commissions avec nous, tout avec nous. Elle nous aime tellement qu'elle ne veut pas nous lâcher. Mais voilà. Dans la vie chrétienne, il va dire là, mais c'est de la cabeza. Pour la blague, il est mis dans la douce. Donc il mesure encore 1000 coudées, et c'est toujours encore, on disait encore, et encore, et encore. Et bien des fois, avec les douleurs, avec les maladies, avec les soucis, avec les tracas, avec tout ce qui se passe dans la famille, avec les enfants, etc., on a tendance à freiner, à ralentir.
Et l'ange dit encore, il va mesurer encore, et nous on s'arrête, et nous on ralentit, et nous on freine. Et l'ange dit encore, amen. Et la Bible dit, si vous entendez la voix de l'Esprit, de ne pas résister, de ne pas endurcir son cœur, mais au contraire, mais d'obéir à la voix de l'Esprit. Parce que si l'Esprit nous dit d'avancer, c'est qu'il a, il est là pour nous aider. L'ange me fit traverser, et l'Esprit nous fait traverser, nous fait avancer. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il conduisait Jésus, il mena Jésus. À nous aussi. Bendito sea el nombre de Dios. Bien des fois, on a besoin que nous poussons plus. Si ou non? Bien des fois, on a besoin d'un tremblement de terre comme Paul ici dans la prison. On a besoin d'un secouer un peu. Bendito sea el nombre de Dios. La Dieu sur toute la gloire. Donc, il faut encore, et encore, et encore, et encore. Et bien des fois, nous on remet à plus tard, on remet à plus tard. Non, Dieu a dit maintenant, mais c'est maintenant. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ne remets pas la chose au lendemain. Mais obéis à l'instant même où Dieu te l'a dit de le faire. Parce que c'est là où se trouve la bénédiction, alors où Dieu te l'a dit. Et dit que c'est le nom du Seigneur. Donc encore. A Dieu soit toute la gloire. Donc on peut avoir des soucis, on peut avoir des maladies. On peut avoir ci, on peut avoir ça. Mais écoutez bien maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas moi ce qui va faire en 2024. On est d'accord? Alors, supposons qu'il y a quelque chose qui nous attend à bien la course de peu grave, quoi. Qu'il n'est pas dans la sens, ça. Alors Dieu le sait, mais moi je ne le sais pas. Dieu a tracé et Dieu a décidé que je dois passer par là. Parce qu'après ça, il y a des bons résultats, il y a un fruit. Amen. Il y a un bénéfice pour moi et pour les autres. Alors Dieu veut nous faire passer par là. Mais maintenant, moi et la douce, elle n'est pas prête. Alors que va-t-il faire Dieu? Il va à me préparer maintenant. Il va me former maintenant pour être prêt à 2024. Et bien des fois, on passe par des situations et on ne comprend pas le pourquoi. C'est parce que Dieu est en train de nous former, de nous préparer pour l'avenir. Vous avez compris ça? Bendit au Seigneur, le Seigneur l'a vu, ça toute la gloire. Donc il mesura encore mes coudées, et encore, et encore, et encore. Et la Bible dit que maintenant il a de l'eau jusqu'au genou. Il me fit traverser. C'est pas si compliqué que ça d'avancer dans l'eau quand on a l'eau jusqu'au niveau des genoux. Mais c'est un peu plus difficile que de l'avoir au niveau des chevilles. Un peu plus difficile. Mais c'est pas si difficile que ça. Mais quand même, Ézéchiel avançait. Et faire bon, à peu près 500 mètres avec de l'eau jusqu'au genou, c'est peu fatigant. D'accord? Et au premier, les premiers temps de la vie chrétienne, on avait de l'eau jusqu'aux chevilles. C'était facile. Et avec les années, avec le temps, on a ralenti un peu parce qu'il y avait des efforts à faire. Et maintenant, on est arrivé à avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et le genou, c'est la prière. Amen. Apprendre à adorer Dieu, à louer Dieu, à exalter Dieu, à glorifier Dieu. Et dites que c'est le nom de le Seigneur, à Dieu, et sans toute la gloire. Je vous pose une question. On peut? Oui. Cherchez dans la Bible quelqu'un qui a adoré Dieu et essayez de comprendre ce qu'il a dit. C'est pas écrit. Non. Chaque fois que les hommes et les femmes ont adoré Dieu ou Jésus, ils n'ont rien dit. C'est le silence total. Dans la louange, il y a des mots. Dans l'action de grâce, il y a des mots. Dans la prière, il y a des mots. Dans la supplication, il y a des mots. Dans l'adoration, il y a pied. Il y a une position à genoux devant Dieu. C'est tout ce qu'il y a. Bendit soit le Seigneur. C'est adorer Dieu dans le silence, sans mots, ça veut dire, c'est, je donne l'image. Je cherche une maman avec un bébé. Il n'y en a pas, non? Vous prenez une maman avec son bébé dans ses bras. Et le bébé dort tranquille dans les bras de sa maman. Le bébé n'a aucun souci. Pas d'inquiétude. Pas de tracas. Rien. Il est confiant dans les bras de sa maman. C'est ça l'adoration. On fait silence, on est au pied de Dieu, au pied de Jésus, et on est là dans le silence, tranquille. On ne demande pas, on ne prie pas, on ne dit pas bénissez l'autre, Seigneur dame, Seigneur bénissez, mais on ne demande rien. Le silence total. Et on est là pour lui. On est là pour lui. On n'est pas là pour nous. On est là pour lui. Amen. Et passer un moment dans le silence afin de l'adorer véritablement. Amen. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en parole.
Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Et il est bon d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles pour apprendre à l'adorer, à l'exalter, à le louer. Amen. Je prends encore un exemple à moi. Pardon, c'est caché de me prendre. Moi, je peux vous dire ici, Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Amen. Dieu m'a entendu, vous m'avez entendu. De haut, Dieu m'a vu. Mais vous, non. Mais Dieu me voit dehors et m'entend ici. Et Dieu voit s'il y a un déséquilibre. Ou si c'est un accord ou pas. Parce qu'avant de le louer en parole, il faut le louer en action. Il faut que ce soit ma vie qui loue Dieu, qui exalte Dieu, qui glorifie Dieu. Et une fois que je viens ici et je l'exprime en parole, mes paroles sont en accord avec la vie que je viens d'avoir ici. Vous avez compris ça? Et ça, il faut l'apprendre. Ça, il faut être conscient. Ça, il faut le vivre. Encore un exemple pour moi, d'accord? Imaginez-vous, ici, j'ai un langage chrétien. Une louange chrétienne. Une exaltation chrétienne, une action de grâce chrétienne. C'est-à-dire, Seigneur, je te loue, je t'exalte, je te glorifie, Seigneur, merci pour ci, merci pour ça. Et chez moi, quand je me mets en colère pour l'adopté, pour les enfants, où est la louange dans ma bouche? Les mots que j'emploie dans ma maison où personne ne me voit ne sont pas en accord avec les mots que j'emploie ici. Et imaginez-vous, donc mon petit fils, il va le tenir tout le temps avec moi, il dort avec moi. Alors, chez moi, s'il m'entend dire des choses désagréables, et après il m'entend dire ici des choses agréables, il va dire, mais ça va pas, c'est quoi ça? Il y a un déséquilibre. Et même un enfant de 5 ans, aujourd'hui, on ne peut pas le tromper. Les enfants sont très intelligents aujourd'hui. C'est pas comme à la paternelle. Vous comprenez ça? C'est fini, ce temps-là. De l'eau jusqu'aux chevilles, la marche chrétienne, le témoignage, amen. Mais c'est facile, maintenant on a de l'eau jusqu'aux genoux. Et ça c'est apprendre à prier, à le louer, à l'adorer d'une façon véritable. D'une façon véritable, mais c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Parce que le corps se voit encore, et Dieu ne veut pas que le corps se voie. Amen. Parce que tant que le corps se voit, on a dit on est vu par les hommes. Alors là, il faut dire encore mes coudées. Encore, il faut encore avancer, encore avancer. Et Ézéchiel, pas d'excuses. Amen. Pas de plainte. Rien. Il va obéir avec humilité, avec simplicité, sans dire un seul mot. Et commence à plaire à Dieu d'obéir, sans se plaindre. On est trop fort pour se plaindre, en vérité. Que Dieu nous aide à obéir. Amen. Malgré nos problèmes, nos soucis. Ça plaît à Dieu qu'on obéit. Il dit que c'est le nom du Seigneur, la Dieu, sans toute la gloire. Et maintenant, la Bible dit, l'ange va mesurer encore 1000 coudées, ça veut dire que l'ange veut qu'on aille plus loin. Et bien, ça veut dire que Dieu veut qu'on aille plus loin avec lui dans la vie chrétienne. Et dit que c'est de Dieu, ne nous a pas appelés à marcher avec lui pour un temps, mais Dieu nous a appelés à vivre avec lui toute notre vie, et ensuite dans l'éternité, toute l'éternité. Amen. Et dit que c'est de Dieu. Il mesure encore 1000 coudées, la Bible dit, l'ange, il me fit traverser, encore aidé. On est encore aidé, on n'est pas seul. On n'est pas seul, donc ne cherche pas des excuses. Tu n'es pas seul. Dieu t'a donné l'esprit, Dieu t'a donné la parole, Dieu t'a donné la parole vivante et la parole écrite, Dieu t'a donné l'église, Dieu t'a donné les serviteurs. Et toi tu dis, je ne peux pas. Ça veut dire, je ne peux pas. Vous avez compris? Bendito sea el nombre de Dieu, sois tout le monde. Maintenant la Bible dit qu'il avait de l'eau jusqu'au rein. Ah, là, ça devient un peu plus difficile. Là, c'est pas le jaïs, ça, c'est plutôt Tarini, Caro. Jusqu'au rein. Et pour avancer en ayant de l'eau jusqu'au rein, c'est pas évident. C'est l'eau. On peut, mais c'est difficile. Mais quand même, il fait pied. Il a pied. Il se maintient, lui. Comprenez? Tu peux dire, j'ai un témoignage. Je marche avec Dieu. Mais tu as pied. Je suis un homme de prière. Mais tu as pied. J'ai de l'eau jusqu'au rein, mais tu as pied. Ça veut dire que tu n'as pas fini. C'est bien, mais tu n'as pas fini. C'est bien, mais il y a plus. Il y a encore une distance à faire. Bendito sea el nombre del Señor. Et qu'est-ce que c'est d'avoir de l'eau jusqu'au niveau des reins? Qu'est-ce qu'on met au niveau des reins? La ceinture de la vérité. La vérité de la vérité. Amen. C'est beau de vivre la vérité. D'aimer la vérité.
La chose la plus facile, c'est que moi je vous dise la vérité. Et la chose la plus difficile, c'est que moi je dis la vérité sur moi. Ça, c'est pas évident. Avec toi, je dis à côté du bumbo, et le bumbo s'intègre et me voit, Juan, c'est vrai que tu as dit ça. Je dis oui, mais je ne l'ai pas dit comme ça. Je l'ai dit. Non, oui, je l'ai dit. Amen. C'est ça, dit la vérité sur soi-même. Oui, je l'ai dit. Pardon, mais je l'ai dit. Bendito sea el Señor. Vivre la vérité de Dieu dans l'église, dans la maison, dans le foyer, dans le travail. Quand on gagne les monimoni, dire la vérité pour que ce soit gagné honnêtement. La Bible dit tu gagneras ton père à la sueur de ton front. Si toi tu dois être digne de ce que tu gagnes, tu dois le mériter, ça doit être clair. Bendito sea el Señor. Parce que si c'est pas clair, après à midi, quand on se met à table, on dit Seigneur, merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Mais c'est pas Dieu qui te l'a donné. On a compris ça? Bendito sea el nombre de Dieu. Faut que ce soit clair, la vérité, vivre la vérité de Dieu, aimer la vérité. Bendito sea el Señor. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vivre la vérité, dépendre de la vérité. C'est la vérité qui va nous maintenir comme la ceinture maintient le niveau des reins. Amen. Amen. Là, c'est pas aux chevilles, c'est pas les genoux, ça, c'est au niveau des reins. C'est un peu plus difficile de vivre la vérité, de dire la vérité. On se dit vérité. On se l'a dit, quoi. Amen. Quand on reçoit un papier, et qu'il faut déclarer. On déclare la vérité, une semi-vérité, parce que je me dis, tout c'est là. Si on déclare une semi-vérité, on touche plus. Si on déclare la pure vérité, on touche moins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez ça? Paul a dit ceci. Écoutez bien, Paul a dit, excusez-moi pour les mots, c'est la Bible, on n'est pas plus respectueux que la Bible. Et Paul a dit, je regarde tout comme de la balure, comme de la boue, afin de gagner Christ. Mais pourquoi il a dit afin de gagner Christ s'il avait déjà Christ? Parce que Paul cherchait à avoir l'approbation de Christ dans tout ce qu'il faisait dans sa vie. Amen. Et nous, quand on fait une déclaration, on veut avoir l'approbation de Christ. Amen. Bendit que c'est le nom de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pas évident de regarder tout comme de la boue, comme de la balure. Quand on regarde quelque chose, écoutez bien, comme de la boue, on évite la boue, même en marchant, même avec la voiture. Excusez-moi mille fois, mais la balayure, mais des fois, moi, je prends des choses que les hommes ont jetées et que ça sert encore. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont encore utiles. Ça veut dire qu'on peut prendre des choses qu'on a délaissées. Je regarde aujourd'hui ça comme de la balayure, mais demain, je peux le reprendre. Mais si je le regarde comme de la boue, c'est fini. Vous avez compris ça? C'est plus utile. On va l'éviter à pied et en voiture. Mais dites au nom de Dieu, la vie est simplement. Donc avoir l'os au niveau de cheville, au niveau des genoux, au niveau des crins. Il y a des efforts à faire, il faut marcher avec Dieu, mais ce n'est pas suffisant, il faut plus. Parce que le corps se voit à moitié. À moitié. Et Dieu dit non, il faut plus. Il faut plus. Et là on avance, vous venez pas d'aujourd'hui. Et là, je vais mesurer encore 1000 coudées. C'est la quatrième étape. Encore 1000 coudées. Ézéchiel, silence, tranquille, il obéit. C'est beau, hein, d'obéir. Bendito sea el Señor. Alors, il va obéir avec humilité, avec simplicité. Mais la Bible dit comme ceci. L'ange ne l'a pas aidé. À la quatrième étape, l'ange ne l'a pas aidé. Les trois premières étapes, il est dit, il me fit traverser, mais à la quatrième étape, l'ange n'a pas pu l'aider. Écoutez bien, devant l'immensité de la grâce de Dieu, l'ange se voit incapable. Ézéchiel se voit incapable. Et voilà ce que Dieu veut, c'est que nous, on parvienne à un niveau, amen, qu'on puisse se sentir incapable. Tant qu'on se sent capable, c'est qu'il y a une partie du corps qui se voit. Amen. Et Dieu veut qu'on arrive à ce niveau-là, se sentir incapable. Que ce soit pour prêcher, poser les mains, chanter, prier, témoigner, soit pour la chose que ce soit. Je me sens incapable. Je ne sais pas, j'ai peur. Vous savez, je vous dis une vérité.
quand j'ai commencé à prêcher, j'avais le cœur qui battait. J'avais la bouche sèche, et c'était pas quand déclencher la voix, je prenais pas de pression comme ça. J'avais peur, le cœur qui battait, la bouche sèche. Et je me disais, je voyais les anciens, Franck, tout ça. Et je disais, tant arriveront, moi aussi, je vais être comme eux. Et au bout de près de 40 ans, je suis toujours prêt. La bouche sèche, le cœur qui va fort, et j'ai peur. Avec Dieu nous aide, bénédicte le Seigneur, mon Seigneur, à ne pas être trop fiers de nous, à ne pas se sentir si fort que ça, à ne pas se sentir si capable que ça. Vous comprenez ça? Bénédicte le Seigneur, mon Seigneur, parce que quand on se sent si capable, Dieu ne va pas nous accompagner dans le travail qu'on va faire, parce qu'on prend toute la place. Quand on se sent incapable, c'est qu'on donne toute la place à Jésus. Amen. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor, la gloria soit toute la gloire. Donc maintenant, la Bible dit, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Impossible! Et Dieu voulait qu'Ézéchiel aperçoive la grandeur du torrent. Impossible de le traverser. Impossible! Même l'ange se voit incapable. Bendito sea el nombre del Señor, la gloria soit toute la gloire. Amen. On ne pourra jamais mesurer le sacrifice de Jésus à sa juste mesure. Jamais, même dans toute l'éternité, on ne pourra jamais évaluer ni mesurer le sacrifice de Jésus. C'est impossible. Parce que la Bible dit, c'est offert par un esprit éternel. Le sacrifice de lui-même matériellement parlant, physiquement parlant, a duré 6 heures. Mais la portée du sacrifice, la raison du sacrifice, le pourquoi du sacrifice, c'est éternel. Amen. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor, la gloria soit toute la gloire. Donc maintenant, Ézéchiel se voit dans l'incapacité d'avancer. Il ne peut plus avancer. Alors la Bible dit comme ceci. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Amen. Maintenant, il n'a plus pied. Voilà ce que Dieu veut. Amen. Au début, c'était Ézéchiel qui faisait pied, il se maintenait lui, c'était à elle. D'accord? Maintenant, c'est plus lui qui se maintient, c'est l'eau qui le maintient. Vous avez compris ça? C'est l'eau qui le maintient. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, qu'on apprenne à être soutenu par la grâce. Que ce soit la grâce qui maintienne notre vie, qui conduise notre vie. Dites au Seigneur, mon Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Et ne plus dépendre de nous, mais dépendre de la grâce. Car la grâce, la Bible dit, je crois que c'est Paul qui le dit à Timothée, elle nous apprend. La grâce, elle nous apprend à vivre. Elle nous apprend à vivre. Vous ne prenez pas mal? Avant d'être chrétien, on ne savait pas vivre. Parce que la Bible dit qu'avant d'être chrétien, on était des hommes animaux. Et un animal ne sait pas vivre. Si ou non? C'est aujourd'hui, en tant que chrétien, que Dieu nous a appris à vivre, amen, à dépenser notre argent. Amen. Dieu nous a appris à parler. Amen. Dieu nous a appris à respecter. Amen. Dieu nous a appris à honorer. Amen. Amen. Dieu nous a appris à parler et des fois à nous taire. Dieu nous a appris l'équilibre de la vie. Alléluia. Dieu nous a appris le pourquoi on est sur la terre. Amen. Avant d'être chrétien, on ne savait même pas pourquoi on était sur terre. On ne savait même pas quel était le but de notre vie, parce que notre destinée n'était pas entre ses mains. Mais aujourd'hui, notre vie a un but, a une raison. Bendito sea el nombre del Señor. Jésus nous a appris, il a dit comme ceci. Écoutez bien, recevez mes instructions. Et la Bible espagnole disait, apprenez de mi, apprenez de moi. Il nous a tout appris, même à élever les enfants. Les parents devant les enfants, excusez-moi, mille fois, n'étaient pas un exemple si bon que ça. Quelqu'un qui fume devant ses enfants, c'est pas un exemple. Quelqu'un qui boit devant ses enfants, c'est pas un exemple. Quelqu'un qui frappe sa femme devant les enfants, c'est pas un exemple. Et aujourd'hui, dans la vie chrétienne, ça n'existe plus, ça c'est fini. Si ou non, je parle pour des prix, ça n'existe plus. Bendito sea el Señor, ça va, c'est pas trop long. Donc il fallait y nager. Donc il n'a plus pied. Terminé. Attends, je tourne ma feuille. D'accord. Maintenant, il y a deux choses qui se voient. C'est tout. Le corps ne se voit plus. Il commence à nager. C'est pas le jail. Hein.
il commence à nager, il y a deux choses qu'on voit, c'est tout. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut voir deux choses, c'est tout. Le reste, Dieu ne veut pas le voir. Il faut que le reste soit caché par la grâce. Amen. Amen. Et les deux choses qu'on voit, il faut qu'ils soient imbibés de la grâce. Amen. C'est les mains et la tête. Amen. Un homme qui va nager, on voit les bras, on voit les mains, on voit la tête. Amen. Mais le corps, on ne le voit pas, il est sous l'eau. Et les mains, c'est le service. Amen. Et la tête, c'est la conscience. Amen. Et ça veut dire être conscient du Dieu que l'on sert. On ne sert pas n'importe qui. Quand on allonge nos chemises, qu'on genouche, qu'on rêve, on n'est pas assez conscient du Dieu que l'on sert. Amen. Lorsque le corps est sous l'eau complètement, c'est là qu'on prend conscience qu'on n'est pas au service de n'importe qui. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor. C'est pas tout le monde qui nage, je vous promets. Même des serviteurs. Quand vous voyez des serviteurs qui sont un peu comme ça, ils sont même pas dans le droit. Ils sont à terre. Vous comprenez? Quiconque marche comme ça n'est pas dans le Torah. Dans le Torah, ça n'existe pas. Dans le Torah, c'est ça. On avance. Bendito sea el Señor. Dans le Torah, c'est la justice, c'est la vérité, c'est l'intégrité. Dans le Torah, c'est l'honnêteté. C'est la vérité de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la vie de Santi Plagoa. Vous savez qu'il y a plus de serviteurs reconnus dans la mission que dans le ciel. D'être reconnu dans la mission, c'est très facile. Mais reconnu dans le ciel, c'est pas évident, ça. Hein? C'est pas évident. La Bible dit comme ceci, écoutez bien. Vous le savez de toute façon. Éphésiens chapitre 4. Un vrai ministère. Paul ne parle pas de la prédication. Il dit pas, il prêche comme ça, il prêche comme ça, il prêche comme ça. C'est pas la prédication qui fait de l'homme un homme de Dieu. On peut avoir une super prédication, il le fait comme ça. Paul dit que le véritable ministère vit pour l'édification de l'Église, le perfectionnement de l'Église, la croissance de l'Église et l'unité de l'Église. Il vit pour ça. S'il ne vit pas pour ça, il est reconnu dans la mission, mais pas dans le ciel. C'est aussi simple que ça. Que Dieu nous aide, bénit au Seigneur, bénit au Seigneur. À réaliser, à comprendre ces choses-là, il faut le savoir, on vit à la fin des temps. Et on ne veut pas que les chrétiens soient trompés par n'importe qui. D'accord? Bendito sea el nombre del Señor. L'homme commence à nager, donc c'est la conscience et le service. Et la Bible dit comme ça, il nous fait comprendre que le torrando c'est la grâce, l'ange c'est l'esprit, on est d'accord? Le condo était pour mesurer, bendito sea el Señor. Mais quand on prend ici maintenant, l'ange n'a pas dit de faire des détours. Il a toujours dit d'avancer. Il n'a pas dit de tourner en rond. Si ou non? Il a dit d'avancer. Il n'a pas dit de regarder la guerre, de faire demi-tour. Il a dit d'avancer. Il n'a pas dit de ralentir. Il n'a pas dit de freiner. Il a dit d'avancer. Et aujourd'hui, c'est possible qu'à cause des choses qui arrivent dans ton foyer, dans ton couple, tu ralentis, tu freines. Par rapport aux choses qui arrivent dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon chrétien. Ça veut dire que tu te laisses envahir par les choses de la vie. Et tu peux tomber dans le piège. Et au lieu d'avancer, tu ralentis. Alors que Dieu nous aide, bendito sea el Señor. Parce que l'ange a dit d'avancer. Tu veux entendre la voix, tu veux voir Jésus, tu veux toucher Jésus. Il faut avancer. Amen. Il faut avancer. Bendito sea el Señor. Et Ézéchiel n'a jamais contrarié la parole de l'ange. Jamais. Il a obéi. Et voilà un verset. Juge 6, 14. Il est dit comme ceci. Dieu parle à Gédéon. Et Gédéon, c'est toi ce matin. Et moi aussi. Amen. Amen. Parce que l'ange envoie Gédéon. Va libérer Israël de Madian, etc. Et Gédéon répond. Je suis le plus petit de ma maison. En voulant dire, je ne peux pas. C'est pas possible. Je ne peux pas affronter Madian, c'est impossible. Je suis le plus petit de ma maison. Je ne peux pas. Et là, je réponds, va avec cette force que tu as. Amen. Et toi et moi, on dit, on ne peut pas. Et Dieu nous dit ce matin, va avec cette force que tu as. Amen. Tu as peu de force, va dire, parce que nous, on a tendance à voir les choses à la façon logique. Mais la logique, ce n'est pas la Bible ni la foi. On est d'accord? La Bible, c'est la foi. Amen. Regardez la Bible.
Si on prend logiquement, humainement parlant, un homme, mettons, je prends une matière, il a toute sa vie, là, il a travaillé, il va travailler toute la journée. Pour que le corps puisse se renouveler, il faut une nuit de repos. Et le lendemain, il peut reprendre le travail. On est d'accord? Soit on s'assoit, excusez-moi, soit on s'allonge. Et le corps a tendance à se renouveler pour reprendre le travail. Et nous, dans la vie chrétienne, on pense que c'est comme ça. On attend que Dieu nous bénisse pour travailler pour Dieu. On attend que Dieu agisse, que Dieu fasse ci, que Dieu fasse ça. Et après, on se lève et on travaille pour Dieu. Et bien ça, c'est pas la Bible. Quand est-ce que Dieu bénit? Quand on est assis, allongé. Dieu bénit quand on est dans le service. Amen. Quand on travaille pour Dieu, quand on marche avec Dieu. Et quand on est dans le service, les forces spirituelles vont se renouveler. Amen. Alors n'attends pas d'avoir plus de force que ce que tu as. Amen. Le plus de force, tu l'auras dans le service. Amen. En marchant avec Dieu. Amen. Bénis ce nom, Seigneur. Il m'a dit, va avec cette force que tu as. Et le verset qu'on a lu au début, c'est Ézéchiel 37, verset 6. Là, je lui dis, as-tu vu, fille de l'homme? Il aurait pu dire, as-tu vu, prophète? As-tu vu l'ancien? As-tu vu homme de Dieu? Il lui a dit simplement, as-tu vu, fils de l'homme? Et vous savez ce que ça veut dire, fils de l'homme? Ça veut dire qu'on est humain. Ça veut dire qu'on est limité. Ça veut dire qu'on n'a pas de capacité. Et là, j'ai dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et ce matin, Dieu nous dit, avez-vous vu? Avez-vous compris? Bendito sea Seigneur. Avez-vous compris? Bendito sea Dios. Alors, on se rappelle beaucoup quand on parle de la nostalgie qu'on avait quand on avait l'eau au niveau des chevilles. Ah, c'était bien avant! C'était bien, je ne suis pas contre, mais c'est du passé. Tu te rappelles quand on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, c'était bien, c'est du passé. On avait de l'eau jusqu'aux reins, c'était bien, c'est du passé. Maintenant, il faut nager. Alléluia. Maintenant, il faut nager, mais pour nager, il faut commencer au début. On a commencé au début, et là, on est à la fin. Et que Dieu nous aide, bendito sea el Señor, à réaliser cela. As-tu vu, fils de l'homme, as-tu vu la grandeur du Torah, la grandeur de la grâce? La grandeur de son amour, la grandeur du sacrifice, as-tu vu les grandeurs de Dieu? Donc, les voir, les réaliser, afin que ça fasse partie de la conscience. Amen. Amen. Pas de l'instruction, de la conscience. Dites aussi la chose, la conscience et le cerveau, ce sont deux choses différentes. On a tendance à accumuler dans le cerveau. Et ça devient disque dur. Non, c'est la conscience, c'est dans l'esprit. La conscience, c'est le cœur. La conscience, c'est le cœur. Pour qu'on devienne conscient des choses de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et quand on devient conscient de la grandeur de Dieu, qu'on est en train de nager, écoutez bien, on n'a pas le temps de regarder à droite, à gauche, à haut, en bas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous comprenez ça? Et quand vous voyez quelqu'un qui a le temps de tout faire, c'est qu'il a l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Mais quand on nage, on n'a pas le temps d'autre chose. Que pour Dieu. On n'est pas des fanatiques, mais on est des servantes et des serviteurs au service de Dieu. Amen. Bien dit que c'est le nom de Dieu, la vieille, sans toute la gloire. J'espère que je ne vais pas fatiguer. Parce que moi, je suis fatigué. Alors, ça vous a fait du bien. Amen. Et j'ai bien fait de porter ce message, parce que l'autre message, ça aurait été plus d'instruction qu'autre chose. Je pense que ça m'a fait bien, moi. Vous savez, moi, ça fait janvier, ça va faire 2 ans. Que ma maladie, ça s'est beaucoup aggravée. J'ai des blanches, je ne vous dis pas. Je parle des nuits blanches. Et de l'homme est forte, forte en vérité. De l'homme, c'est pas bon, ça, qui est loin. Et ça fait longtemps que je ne vais pas visiter. Ça fait longtemps que je ne prêche pas à droite et à gauche. Et là, pour tout, il y a une semaine, j'ai fait une mission. Ça m'a coûté en vérité. Et ça m'a fait un grand bien. Amen. Ça m'a coûté, mais ça a été pour une bonne cause. Amen. Alors je dis ça pour toi, pour que tu comprennes une chose. Tu as des douleurs, tu as des maladies, tu as des soucis, tu as des tracas. Tu as ta vie dans ton foyer. Et personne ne sait. Mais force-toi, je t'en supplie. Avance. Et comme je dis souvent, même au pas de fourmi, mais avance. Amen. Ne cours pas. Jésus n'a jamais couru dans la Bible. Jamais. Pas une seule fois. Jésus marchant. Amen. Ce sont les hommes qui courent. Dieu ne court pas. Alors marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Même si tu mets du temps, mais ne t'arrête pas. Ne ralentis pas ton pas. Que ton pas soit ferme dans les choses de Dieu. Ne ralentis pas.
tire et marche. Marche, Amen. Marche, Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et on entendra la voix. Amen. On le verra de nos Amen. Yeux. Amen. Et on le touchera de nos mains. Amen. Et ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Amen. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Parce que là où dans le ciel, il y aura un homme semblable au Fils de l'homme au milieu de chaînes sanguinolentes. Ensuite, il est assis dans le trône. Amen. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de division. Amen. C'est fini, tout ça, terminé. Amen. Là-bas, personne prêchera, personne chantera, personne jouera de la musique, personne passera par les offrandes. Terminé tout ça. Bendito sea el nombre del Señor. Ça sera la paix absolue éternellement. Amen. Ça sera la joie éternelle. Amen. Ça sera la récompense éternelle. Amen. La présence de Dieu éternelle. Bendito sea el Señor. On verra celui qu'on a tant aimé. On verra celui à qui on a donné notre vie. Bendito sea el Señor. On verra celui qui a payé pour nous, celui qui est mort à la croix. Amen. Celui qui a pris nos péchés dans son corps. Alléluia. Celui qui a été cloué, celui qui a été couronné. Alléluia. Celui que son dos a reçu comme un terrain labouré. Fouetté. Celui-là, on le verra. Amen. Tel qu'il est, on ne l'a pas vu en tant qu'homme. On le verra en tant que divin, en tant que Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor de Dios, a tu plein droit. Alors tout ça, c'est pour t'encourager. Amen. Amen. Alors tu rentres très comme ça. D'accord, comme moi aussi. Fatigué. Alors sois comme ça. Amen. Quand tu manges chez toi comme ça. Amen. Quand tu manges comme ça. Tranquille, fier, fier, fier d'être ce que tu es. Amen. Un chrétien, un enfant de Dieu. Non pas fier de ce que tu fais, fier de ce que Dieu a fait de toi. Amen. Et dites au Seigneur de Seigneur de Dieu, sois de moi. J'ai pas envie de m'arrêter, j'ai oublié. Merci à Dieu pour ces moments, ça m'a fait comme bien. Amen. Ça m'a fait comme bien. Alors toi aussi, fais-toi du bien. Ne manque pas de culte pour rien. Ne manque pas de réunion pour rien. Efforce-toi. Même si tu es malade, efforce-toi. Moi, j'ai dans mes deux jambes, j'ai des bandes. J'ai tellement mal. J'ai dû mettre des bandes de la pommade pour pouvoir venir. J'ai pris des cachets pour pouvoir venir. Donc, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Si on ne s'efforce pas maintenant, un jour viendra où ça sera trop tard et la porte sera fermée. Avant que la porte se ferme, il faut s'efforcer. Et Ézéchiel n'a pas regardé derrière lui. Il n'a pas regretté ce qu'il a laissé derrière lui. Il était intéressé par les choses qu'il y avait devant lui, le torrent. Alors je suis sûr que je l'ai promis, d'accord. Toi, tu as le droit de regarder de temps en temps l'arrière. Quand tu es découragé, abattu, quand tu n'en peux plus, jette un coup d'œil derrière toi. Regarde ta femme, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants. Et dis-toi, Seigneur, si j'arrête, j'arrête tout ça. Si moi je ralentis tout ça. Vous avez compris? Si je baisse les bras, je vais faire baisser les bras à tout ça. D'accord? Alors que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants, qui puissent t'encourager parce que tu es le responsable de ton foyer. Amen. Le pasteur de ta maison, c'est toi. Amen. Le dirigeant, c'est toi. Alors si toi, tu baisses les bras à ta maison entière. Alors ta femme, ton mari, tes enfants doivent te voir comme ça. Amen. D'accord? Amen. Comme ça. Bon. D'accord? Content, joyeux. Être l'enfant de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor de Dios. Bueno, je termine par la prière et on va dire merci à Dieu pour ce moment. Je laisse la place. Enfin, je demande à la tienne. Tu pries, s'il te plaît, la tienne. Seigneur mon Dieu, la gloire est à toi, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Dieu. Cette parole, Seigneur mon Dieu.